Quelle joie de vous revoir. Oh non, pas lui. La prêtresse royale d'Hyrule et le maître de l'épée de légende. J'ai un nom, je te signale. Link. Merci. Ton arme a retrouvé toute sa puissance. D'accord. Tu vas pouvoir la brandir à nouveau. Non, sans deck. Mais sinon, tu peux parler un peu plus vite parce que là, j'ai pas toute ma vie, sérieux. Vénérable arbre Mojo, merci infiniment. Oh, oh, oh. C'est le Père Noël. Inutile de me remercier. J'allais pas Rien le faire. Rien de ce qui s'est produit n'est de mon fait. L'épée de légende. Elle est belle, hein? Eh ben, c'est parce que c'est mon épée. Qu'est-ce que c'est? De quoi? Oh putain, c'est moche. Et si on n'y allait pas? Oh non, je suis en train de me pisser dessus là. Oh. Non Zelda, ne fais pas ça. Tu m'écoutes quand je te parle en fait? Un caillou sur une momie, oui. Et le porteur de la lame purificatrice, Link. Casse-toi, enflure! L'ultime espoir de Raoul. Je le connais même pas, lui. Tu me déçois beaucoup. Votre Majesté! Sonia, je vous en prie! Oh putain, la tronche, je sais que j'avais fermé ma gueule, mais là... Oh. T'as peur d'un caillou? Ta manière de combattre en utilisant ton corps comme une arme était remarquable. Ouais. Tu es bien mon descendant, et la fierté du peuple Gond. Je suis pas sûr, mais c'était quoi ce monstre? Ce monstre était la source de la roche qui a corrompu notre peuple. Il a été envoyé par le roi démon en personne. Merci. Sa mission était de t'empêcher d'obtenir la pierre que tu viens de toucher. La pierre occulte. Le gros plan, là, c'est pas obligé. La pierre, le démon? Oh là! Bien sûr, rien de tout ça n'a encore de sens pour toi. Non, c'est juste qu'il est idiot. C'est justement de ça que j'aimerais te parler. Du conflit qu'on appelle la guerre du sceau. Et de la destinée de notre peuple. Alors, je dois combattre aux côtés de Link? Ce serait ça ma destinée? C'est bien nul, hein? Hein? C'est vraiment à moi que vous voulez confier cette tâche? Vous êtes sûr? Même toi, parce t'es que pas moi, sûr. J'ai pas la carrure de mon ancêtre et de ses compagnons. Je suis d'accord avec toi, mais là, tu viens de me couper la bon, parole. Je... Oui, ça doit faire mal. La respire, je te respecte. Je suis maintenant le sage du feu. Regarde, je vais te faire une démonstration. Pas la peine, Balek. Waouh, je suis impressionné. Donne-moi ton point, Link. Check. Moi, Yun, sage du feu, j'en fais le serment.
Je mettrai mes forces à ton service. Compte sur moi. Du feu peut-être, mais ça, je suis pas sûr. Prépare-toi. Tu vas maintenant en recevoir la preuve. Juste l'autre, il vient d'aller dans ton caleçon là, non? Ah, mon bras! Mon bras! Putain, il m'a enflammé mon bras, le con! Aïe, 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 aïe! Ah, non, en fait, c'est pas du feu. Grâce à cette bague, peu importe où tu te trouves, mon pouvoir sera toujours avec toi. Même aux toilettes? Moi, si je veux être ton digne compagnon d'armes, je dois devenir encore plus fort. Bien, rentrons au village. Oh putain, le gars c'est un sanctuaire. Ah oui, bon, j'ai fermé ma gueule. Dans un avenir lointain, celui qui mettra fin à tes jours se présentera. Le chevalier à la lame purificatrice, Link. Oh, c'est moi ? Retiens-le bien. Link. Oui ? Je t'en fais la promesse. Je soignerai l'épée de légende. D'accord, Zelda. En attendant le jour où elle te reviendra, je t'en prie. Tu me pries de quoi ? Finis ta phrase ! Mais ne gobe pas le caillou ! Ça va? Ouah! Qu'est-ce qu'il y a? Protège mon peuple! Oh, tes yeux! Ne fais pas exploser le royaume, sinon je pourrais plus le protéger! Tu t'es transformé en dragon?